cette lumière. Ce n'est pas une sinécure de chasser toute cette poussière. Le lacard à la toiture, la saison très mal débute. Réduiront toute la station, trompettes et demi-pension. Arrive dans quelques minutes. J'imagine les chagrins, les dents, les os, les poils, les bras, les petits gondos et les colures, oui, c'est ici que l'on cure, à foufou les mains. C'est moi qui suis de ces pains, le respectable directeur, gouvernant avec rigueur, pour des clients toujours urbains. Ce sont des hommes qui font carrière, à eux seuls, pour accompagner des demoiselles et des belles-mères. Je ne veux vous petit pied. Car c'est ici que l'on pue, de cette eau magique et pure, les rhumatismes et les chagrins, les dons, les os, les poids, les reins, les petits bobos et les couleurs, et c'est ici que l'on pue, à vous pour les mains. Le roi d'où viennent les curies, soyons prêts à les accueillir, à les empêcher de vieillir. Chez nous, les miracles existent. Ces petites femmes grandissantes qui viennent tremper le foufou dans leurs batailles et le mou, en ressortent toutes frétillantes. Car c'est ici que l'on cure, que c'est tout magique et pur, les rhumatismes et les chagrins. Les dos, les os, les poils, les reins, les petits bobos et les couleurs, et c'est ici que l'on cure, à foufou les mains. Ça ne va pas, ça ne va pas du tout, quand je pense que ça fait des semaines qu'on répète. Allez, disparaissez, ne restez pas dans le hall, les premiers curies vont arriver et rien n'est encore fait. Et surtout, veillez à vérifier chaque chambre. Ce lieu doit être d'une propreté impeccable. Allez. Directeur d'une cure thermale n'est pas un métier du tout repos. Surtout que maintenant, je me retrouve bien seul à diriger cet établissement. Depuis la mort de ma pauvre femme, j'ai bien du chagrin et peu de cœur à l'ouvrage. Il faut dire aussi que je suis mal secondé, hein. Mais regardez-moi ça. Baptistin ? Baptistin ? Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Baptistin ! Arrive ! Vous m'avez appelé, monsieur le directeur ? Non, 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 je crée ton nom comme ça, par plaisir. Oh, bah c'est gentil, ça ! Mais vous venez ici, enfin, imbécile ! Combien de fois devrais-je te demander de réparer ce tableau? Hein, tu attends qu'il se décroche complètement? Je fais tout de suite, monsieur le directeur. Quelques coups de marteau, c'est pas la mer à boire, que diable! Oui, monsieur le directeur. Et je te rappelle que tu as encore les chaises longues et les parasols. Oui, monsieur le directeur. Tu sais, Baptiste, la concurrence est de plus en plus dure. Et si notre lieu n'est pas impeccable, eh bien les curistes iront se faire curer ailleurs. Soyons vigilants! Hein? Heureusement. Notre eau de source a une qualité thérapeutique unique. Ma défunte femme disait toujours, notre eau, c'est notre fond de commerce. Oui, d'accord. Elle savait qu'on pouvait pas faire. Elle a tenu ses cures pendant plus de 20 ans. À propos, je vous ai déjà raconté comment on nous fit une connaissance. Oh, 20 fois. Pas encore raconté l'histoire de mon mariage. C'est un beau roman du temps passé qui débuta par un long voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les bons chemins de France s'en allait en quatre temps, voyageur toujours content. Il y avait un vieux notaire, un vieux
curé et son bréviaire, une belle mariée, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, et la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récita des rondeaux et des sonnets. Lorsque la côte était dure, nous étions de droite et de nous bougeons allègrement, car c'était le règlement. Le ciel était bleu et le beau monsieur faisait des doux yeux à sa mère, tandis que le curé se disait, ça y est, c'est de la paix. Ça tient, moi? Oh oui, c'est solide. Ça va? Vous n'êtes pas blessé? Oui, il manquait juste un petit clou. Non mais, rassurez-moi, vous n'allez pas passer toute la matinée sur ce tableau. Car je vous rappelle, vous avez encore les chaises longues et les parasols. C'est fini les vacances. On n'est plus en balade à Paris ici, mon vieux. Monsieur le directeur... Plus bon. Allons-en. Non, pas là, à Paris. Un véritable cauchemar. Je suis tombé sur une folle. Qui m'a balancé, m'a lâché le sommeil. Elle voulait se jeter du pot de la main dans des espoirs d'amour. Manque de peau, je passais par là et je l'ai sauvé. Oh, vous êtes mon sauveur, vous sauvez la pour l'autre, c'est le signe du destin. Ben, j'aurais dû la pousser, elle m'a gâché mon week-end. Pour me débarrasser, je lui ai raconté que j'étais légionnaire et que je vais rejoindre mon unité. Donc moi, j'y serai en fond. Maintenant, Juliette, t'es prête. Oh, mais quoi, il ne veut pas faire un gros câlin, c'est une Juliette adorée. Non, Juliette, pas ici. Oui, là, les câlins. J'aime ça, mais relève-toi pour paraître dans le parage. Mais c'est pas grave, puisque c'est aujourd'hui le grand jour. Oui, grand jour, je vais justement t'en parler. Et on pourrait peut-être remettre ça plus tard, parce que ton père m'a l'air d'une humeur massacrante et... Comment? Je disais si on pouvait remettre ça. Tu te fous de moi ou quoi? Écoute-moi. Je te demande si tu te fous de moi. Ça fait des semaines que tu me dis le jour de l'ouverture de la cure, je demande ta main à ton père. Mais le jour venu, blanc, tu te défiles. Mais non. Baptista, tu en aimes une autre. Moi, je t'aime. Vous savez, tu sais bien que je t'aime. Non, parce que soyons clairs. Tu me trompes. Je te saigne. Oh, c'est pour ça que je t'aime. Alors, c'est que la race au poussin, le couin-couin, le pio-pio, le pio-pio. Je te dis, fini le pio-pio. Plus de pio-pio. Parle à mon père d'abord. Oh, je ne me vois toujours prêt. Mais tu sais que la baronne de Morton, la Garenne, vient ici, comme chaque année, avec son fils Charles. Et alors? Eh bien, mon père a l'intention de nous marier. Et le plus vite possible. Je serais fière que sa fille porte le nom de Morton-la-Garenne. Toi, avec ce gros béné. Pourquoi pas? C'est un garçon intelligent, délicat et plein de charme. On va pas parler du même alors. Et je ne vais tout de même pas attendre toute ma vie que tu te décides à faire ta demande. Et je vais la faire, maman, mon poussin, mais si je te dis que c'est pas le moment, ben c'est que c'est pas le moment. Mais avec toi, ce n'est jamais le moment. La vérité, c'est que tu as peur de mon père. Voilà le problème. Oh, pas du tout. Je n'étais pas un garçon facile.
J'ai besoin d'établir une certaine complicité avec lui, tu comprends? Si j'arrive à être son bras droit, mon indispensable, eh bien, il n'y aura aucune raison de refuser ta main. Et qui serait? Qui sera le pupu à son quoi? Le quoi à son pupu? C'est qui? Non, 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 non. Alors, reprenez votre travail. Eh bien, monsieur le directeur. Alors, mon petit gars, es-tu prêt à accueillir ton futur fiancé? Quand je pense, j'ai connu monsieur le baron tout petit et qu'il arrive aujourd'hui pour me demander ta main. Oh, ça, je n'ose y croire. Tu crois que monsieur Charles fera sa demande pendant son séjour, papa? Si je le crois, mais j'en suis certain. Je me suis laissé dire qu'il était très impatient de revenir dans notre cure. Et je doute que ce soit pour le bienfait de notre Non, ce qui m'inquiète le plus, c'est la baronne. J'ai pas encore vraiment pu lui parler de ce mariage et j'espère qu'elle ne s'y opposera pas. N'aie crainte, mon papounet, elle m'adore. Bon, je te laisse, j'ai du travail en cuisine. Oui, c'est ça. Baptista a quelque chose à te demander. À tout à l'heure, fillette. Elle est mignonne. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? Pardon. Merci, je me dis que vous voulez me parler, alors je vous écoute. Oui, d'accord. Dépêchez-vous aussi, hein, j'ai pas que ça à faire. Oui, monsieur le directeur. Alors, là. Dépêchez-vous un peu. J'espère que vous n'allez pas passer toute la matinée sur ce tableau. Je vous rappelle que vous avez encore les chaises longues. Et les parasols. Ce robinet qui ne coule pas. Baptista, hein? Monsieur le directeur. Il faudra réparer ça tout de suite, hein? Un robinet en panne dans une cure thermale. Mais où allons-nous? J'en fais tout de suite, monsieur le directeur.
Celui-ci non plus, mais qu'est-ce que c'est que cette farce? Permettez, monsieur le directeur! Mais c'est pas possible! C'est les bras! Pas possible, mais dites-moi que je rêve! Laissez-moi faire, c'est rien du tout! Là. Eh ben, il n'y a plus d'eau! Malédiction! Comme si je n'avais pas assez de problèmes comme ça! Cure thermale sans eau, mais. Catastrophe, c'est une catastrophe! Mon Dieu! Du monde! Une cure thermale sans eau, je suis foutu! Ben, c'est peut-être un problème de tuyau! Écoute, va voir si elle doit y être, et appelle le plombier, et qu'il arrive le plus vite possible! Bien, monsieur le directeur! Si ma pauvre femme était encore de ce monde, elle saurait quoi faire, elle! Allez, mais coulez! Coulez, mes petits! Mon Dieu, c'est la baronne! La baronne! La baronne, j'ai une pétition, la baronne! Les oiseaux se mettent en ménage.
La chambre bleue. Baptistin s'occupera de vos bagages. Merci, mon ami. Ah, mais attention, la petite marche. Elle n'était pas là l'année dernière. Ah, mais si. Oh, ben, elle a grandi. Puis-je me permettre de demander à Madame la Baronne si Madame la Baronne a fait un bon voyage? Oh, je dirais même mieux. Nous avons fait un bon voyage. Ah, ah. Nous avons fait un bon voyage. Nous avons fait un bon voyage. Nous arrêtons à tous les pas. Lui, il a joué un peu plus vite. Oh. Par ici, cher ami, je vous en prie. Attention, la petite marche. Voilà. Alors, des nouvelles du plombier? Eh ben non, toujours pas. Mais j'ai fait appeler son remplaçant. Le nôtre est parti en voyage. Ah, arrêtant à tous les pas. Alors, ce coup-ci, c'est bon, hein? Rideau! Rideau! Mais calmez-vous, ça ne sert à rien de se mettre dans cet état. Mon Kiki! Mon Kiki! Mais on va retrouver votre Kiki! Ne vous en faites pas! Oh, c'est trop tard! Je suis sûre que le pauvre s'est noyé! Mais non! Ça s'est nagé, là, Kiki! Oui, mais là, le courant l'aura emporté! Il est si petit! Ouais, petit et rapide! Je n'ai même pas pu le sauter par la portière du taxi! Vous êtes sûr qu'il n'était pas sur l'autre rive? Je l'ai entendu aboyer au moment où vous avez glissé dans l'eau! Ah, moi, j'ai rien entendu! J'étais trop occupé à me raccrocher à cette branche pour refaire surface! Car non seulement le courant est fort, mais en plus, ça m'a l'air profond! J'ai dit profond, profond pour moi, peut-être que Kiki l'a pied. Vous êtes grand comme ça. Il se sera accroché à un rocher, qu'il aura tendu le passage d'une branche pour sauter sur la rive. Vous croyez? Mais oui, je suis persuadé qu'on le reverra, le Kiki. Voilà, ça va mieux. Oui, merci. Je suis désolée pour votre costume. Ce n'est rien, ça va sécher. Une chance que ce chauffeur ait eu ses guenilles. Pas très propre, je vous l'avoue, mais bien pratique. Sinon, j'arrivais en eau à la cuve.
Remarquez, en eau dans une cure thermale. Moi, j'étais dans le ton. Je présente Ferdinand Gronsard, un Jean financier. Martin Poula, dépressive. Enchanté. Vous venez souvent ici? Non, c'est la première fois. Ah, moi aussi. Chaque année, je fais une petite cure pour surveiller ma ligne. Rien de grave. C'est le docteur Radousseau qui m'a recommandé cet endroit. Je sors tout juste d'une grave dépression, un chagrin d'amour. Le docteur m'a conseillé du repos et surtout pas d'émotions fortes. Arrive ici et plonge par mon kiki. Séchez vos larmes. Et comme on dit dans mon métier, une affaire qui coule, c'est dit ce qui se monte. Ah, vous avez un peu de... Ah non, non, rien, ça va passer. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Voilà, on arrive. Oh, la voix de Paris. La folle de Paris l'a suicidé, le pont de l'armement, c'est elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette cinglée? Me voilà bien, moi. Mais personne. Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Les fous. Fais la causette à la cinglée. Parlez, mon vieux. Moi? Oui, dis donc, faut pas rester là. Ah bon? Vous auriez dû passer par la porte. Le service. Ah oui, à cause du costume. Vous dites donc, ça fout mal si on vous trouve ici et que vous posez des questions. Vite, à ce propos, si vous pouviez passer un peignoir, ce serait plus de circonstances. Un peignoir? Et pourquoi pas une chambre elle fut sur le lac, donc on dit, allez, suivez-moi. Mademoiselle. Allez. Voilà, ravissant. Un peu trop maquillé, mais ravissant. Par ici, je vous en prie. Attention à la petite marque.
Il est vrai que le paysage est vraiment splendide. Et puis vous aurez remarqué, tout au long du trajet, on suit cette ravissante petite rivière qui arrive jusqu'à notre station. Ah, mais les voilà, enfin. Alors, nom, prénom, adresse, tout ça, j'ai... Vous prenez une pension complète? Oui. Très bien. Vous avez des animaux? Mademoiselle Meunier, ça va? Moulin! Mademoiselle Moulin, ça va? Excusez-moi, ça va passer. Vous n'auriez pas un verre d'eau? Ah, mais c'est... vous ne préférez pas une petite liqueur? Avec un sorbet à la vanille. Non, merci. Une lapée de chocolat avec une larme de Cointreau. Non. Alors un simple verre d'eau. Oui. Attendez. Oh, non. Prenez celle-ci. Elle sera plus fraîche. On sent bien la différence avec l'eau de Paris. Alors là, aucune comparaison. Je vais vous dire que l'eau à Paris est tellement calcaire que c'est un jour j'ai dit à me laver. Enfin, c'est façon de parler. Oui, enfin, pas tout à fait. Excusez-moi, tout à l'heure, je viens de perdre mon kiki. Qui? Kiki. C'est qui kiki? Quoi? C'est qui kiki? Kiki, tu sais quoi? C'est quoi? Kiki, c'est pas quoi? Pas quoi, kiki? Pas quoi, kiki? Mais c'est qui, pas quoi, kiki? Kiki. Excusez-moi, mais si on pouvait recommencer depuis le début, parce que moi je suis un peu perdu. Vous avez des animaux? Mademoiselle Moulin, ça va? Moulin! Mademoiselle Moulin, ça va? Bon, ensuite il y a le verre d'eau, le vase, le pari, tout ça on a compris. Kiki? Kiki? C'est qui Kiki? C'est quoi? C'est quoi? Mais non, là on tourne en rond. Écoutez, essayez un peu toute seule pour voir. Qui c'est qui? Qui c'est quoi? Quoi? Non, Kiki, c'est mon chien. Oh! Il y a un moment ici. Oh, désolé. Enfin, remarquez, ne désespérez pas. L'année dernière, nous avons une cliente qui perdit son chat en Corée. Et c'est tout. Nous vous souhaitons néanmoins un excellent séjour dans notre établissement. Je tiens à vous comme chasseur à votre service. Veuillez conduire les bagages de Mademoiselle Meunier dans la chambre jaune. Moulin, enfin, mais c'est Moulin. Et veuillez à ce qu'elle ne manque de rien. Ferme. Et les bagages, c'est moi qui les porte. Alors, les nouvelles du plombier? Oui, elle est arrivée. Ah, parfait. Faites-moi prévenir dès que l'eau est rétablie. Bien, hein. Monsieur le directeur. Et alors, mon vieux, vous m'oubliez ou quoi? Ah oui, justement. Tenez, voilà. Alors, ça y est, c'est réparé. Réparé? Mais qu'est-ce qui est réparé? Vous voulez réparer sans cul. Monsieur. Ah, les sans crête, hein. Monsieur, le directeur de la clinique. Oh, mais enchanté, tout de même, enchanté, oui, monsieur. Moi aussi. Je me présente Gronsard, Ferdinand Gronsard. Oui, c'est ça. Mais alors, cette histoire d'eau, c'est réparé? Cette histoire d'eau... Ah oui, vous voulez parler de la rivière? Ben oui, la rivière. Dites, c'est pas rapide à votre plombier. Rassurez-vous, tout va bien. Mais enfin, je dis tout va bien, on a quand même perdu le kiki. Oh non, pas le kiki, quoi? Kiki tout court. Ah oui, j'ai mieux ça. Mais c'est kiki. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas réussi à le sauver. Il n'y a aucune importance, vous le mettrez sur votre facture. Ma facture, vous lui faites une facture. Mais enfin, l'essentiel, c'est que l'eau soit rétablie, hein. Ah bon? Bon, excusez-moi, mais j'ai du travail. Baptista va vous accompagner, vous passerez par les cuisines, hein. Oh, quoi? Dites, vous passerez à mon baignoire? Un baignoire? Mais pourquoi faire, grand Dieu? Mais pour me changer, mes valises sont restées à la gare, je ne les aurai qu'en fin d'après-midi. Vos valises? Mais quelles valises? Mes bagages. Étant donné que je dois rester ici une quinzaine de jours, j'ai quand même pris quelques affaires. Une quinzaine de jours? Mais alors les dégâts sont énormes. Bon, ne sachez-vous rien. Disons qu'il faut que je fasse un tout petit peu attention, c'est tout. Dédit,
ne va pas pouvoir circuler comme ça. On va finir par se poser les questions. Ça, c'est très juste. On a qu'à dire que c'est un curiste. Eh bien, il passe, on va faire la fête. Excusez-moi, mon vieux, mais on va devoir vous faire passer pour un client normal. Un client normal? Mais comment ça, un client normal? Eh oui, pour pas affoler les autres curistes. Bon, ça, voilà. Alors, si on vous demande pourquoi vous êtes là, répondez que vous avez des problèmes rénaux. D'accord. C'est ça. On va vous donner une chambre, il est pas vous changer. Merci. Allez, c'est mon vieux. Autrement, vous êtes là pour un voyage? Ah! Non. Il y a un petit malentendu. Il a demandé, avez-vous fait bonne route? Oh. Bonne route. Allez, hop. Comment on travaille? L'endroit merveilleux, calme, paisible. Je reviens. Dites-moi, cette année, en plus de ma cure, j'aimerais essayer d'autres activités. Comme conseiller, c'est bien ces histoires de bains de boue? Eh bien, pour tout vous expliquer... Oh, c'est formidable! Ça vous donne une peau aussi douce que celle d'un bébé. Ce n'est pas plus salissant. Oh, non, pas du tout, c'est la peau propre. Mais ce système causal, ça consiste en quoi exactement? Eh bien, voilà. Non, bah, c'est très simple. On vous recouvre entièrement le corps d'algues marines et on vous laisse mariner dedans pendant deux jours. Ce n'est pas dangereux. Oh, ouais. Non. Ce sont des algues plus croisées. Ah, très bien. Eh bien, allez hop. En avant pour les arêtes. Faites-moi également quelques séances de massage. Oh, je me sens un peu rouillée en ce moment. Oh, madame la baronne manque un peu d'exercice. Oh, mais cette année, j'ai dû arrêter le taekwondo. Ça me faisait trop. Oh, c'est comme moi. Avec la natation à cause de mon dos, j'ai une douleur qui part de là jusque là. Écoutez, mon vieux, mais on s'en fout, hein? Ici, vous vous occupez des chaises longues. Et des parasols. Cher ami, je profite que nous soyons là tous les deux pour vous entretenir au sujet de l'avenir de nos deux charmants enfants. Vous savez tout comme moi... Saturnalier, premier chasseur à votre service. Oui, qu'est-ce que c'est? Saturnalier, premier chasseur à votre service. Permettez. Une lettre anonyme pour madame la baronne. Moi, une lettre anonyme? De qui? Mais de qui? De qui? Saturnalier, premier chasseur. Attendez, cher ami. Ne bougez pas. C'est peut-être une lettre piégée. Vous croyez? Laissez-moi faire. Quel ange. Quel courage. Ah! Ça vous amuse. Oh, je t'ai compris. Eh bien, rigolez. Allez, ouvrez. Écoutez-moi. Ouvrez. Je suis d'accord. Si
excusez-moi, je vous interromps, madame la baronne, mais il a dit que c'était un timide. Il faudrait mieux peut-être pas l'effrayer. Vous avez raison. Restons discrètes et ouvrons l'œil. On va bien finir par se couper, ce grand fou. La brouette chinoise. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. Germine, soyez persuadée que nous ferons le maximum pour démasquer et punir le coupable. Personnellement, je m'insurge énergiquement contre ce genre de pratique. C'est votre problème. Pardon. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Dans mon petit complet, qu'est-ce qui vous déplaît? Je vous en supplie, voyez-vous à pli, car je m'aperçois que vos yeux tiquent sur un plastique. Vous n'aimez pas ça, n'en écoutez pas les autres. Vous n'avez pas ce truc-là, probablement sur le vôtre. C'est un grain de beauté, on ne peut pas l'ôter. Il est mal placé, mais placé. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Oh, oh. Joli nom. On a regardé vers la vigne pour la vigne. Vous ici. On n'est pas musical. Je vous rappelle qu'ici vous vous occupez des chaises longues et des brouettes. Cher ami, revenons à ce qui nous préoccupe tous les deux, l'avenir de nos deux charmants enfants. Je crois pouvoir dire sans me vanter que Juliette est plutôt un beau parti. Vous voulez rire? Pardon? Ben, Juliette est plus que ça. C'est une jeune fille ravissante, vive, intelligente. Elle a du caractère, du tempérament. C'est une perle, cette petite. Oh, votre grand garçon n'a rien à lui envier. On devine en lui un garçon sérieux, demeuré, cultivé, stupide, et d'une grande sensibilité. Complètement abruti. Non, mais non, vous ne pouvez pas dire ça, enfin. Si, c'est un abruti mou, mais un abruti quand même. Comment votre fait pas mieux? Oui, mais il est jeune, il va mûrir. Oh, ben il serait temps à 37 ans. Vous savez, personnellement, je serais très fière d'avoir un gendre comme Charles. Oh non, croyez-moi, votre fille mérite mieux que ça. Si j'étais à sa place, j'irais voir ailleurs. Du reste, je doute que cette petite soit amoureuse. Oh, mais vous t'en êtes de bien s'entendre. Ah bon? Si vous le dites. Mais toute affaire entre nous, de vous à moi, mon fils Charles, il n'a rien à la culotte. Rien, nada, ni la culotte. Que voulez-vous? Il n'a pas connu son père. Je l'ai élevé toute seule. Ah oui, évidemment. Ça ne doit pas être facile pour une faible femme d'élever seule son enfant. Good morning. Good morning. We dance all night. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's well to stay up late. Good morning. Cette année pour ma cure, mon médecin m'a conseillé de boire 8 litres d'eau par jour. Oh là là, ça c'est peut-être un peu excessif. Moi je peux le permettre, le reste de l'année je ne bois pas. Ah oh, mais dans ce cas-là... Allez, c'est parti, un verre d'eau. Allez hop, c'est parti. Ah ben non, 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 là c'est pas possible. Ben pourquoi? Parce que tous nos verres sont à la cuisine pour le grand nettoyage de printemps. Le nettoyage de printemps. Une fois par an, nous passons tout à l'eau de Javel. Vous savez qu'une maison comme la nôtre se doit d'avoir une hygiène irréprochable. Rassurez-vous. Mais rassurez-vous, hein, dès cet après-midi, tous nos verres seront à votre disposition. C'est parfait. Naturalisez pour les chasseurs dans votre service. Pas sauvé. Imbécile. Permettez, cher ami. Oh! Bon, enfin, mais que vois-je? Vous appelez ça des verres propres? Il y a des traces partout. Bah, où ça? Là, là,
Là, partout des petites traces. Pas non plus. Taisez-vous, enfin. Imbécile, apportez-moi ça à la cuisine. Et que ce soit impeccable. Salut, premier chasseur à votre service. Excusez-moi, cher ami, pour ce petit contretemps, mais je suis très strict sur le plan de l'hygiène. Oh, ben c'est tout à votre honneur. Good morning. Good morning. It's what to say a friend. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. We dance the warlight for good morning. Good morning to you. Il faut absolument que je l'éloigne de cette fontaine. Que diriez-vous d'une petite balade en barque? Une balade en barque? Serait-ce lui mon amoureux timide? Pourquoi pas? Mais vous ne préférez pas un petit tour en brouette? Petit tour en brouette, ça ne vous tente pas? La barque me paraît plus commode. Il fait semblant de ne pas comprendre, ça ne peut être que lui. Va pour la barque. Oh non, ça je n'en peux bien. Oh si, oh si, j'adore ça. J'ai toujours eu une passion pour ces galères rangées esclaves. Du reste, si vous désirez que j'aille plus vite, n'hésitez pas à me fouetter. Je plaisante, cher ami, je plaisante. Je n'ai pas mon fouet sur moi. Alors, larguez les amarres. Laissez-moi couper le filet. Non, je suis très bien comme ça.
Juliette, il faut que je te parle. Tu as parlé à mon père? Non, toujours pas. Hein. Alors nous n'avons rien à dire. Oh, écoute-moi. Parle à mon père d'abord. Mais il vient d'arriver, je voudrais pas que tu penses que... Qui vient d'arriver là? Rien. Oh, comment ça rien? Vous m'avez flanqué votre raquette à travers la figure. Mais je ne voulais pas flanquer, enfin j'ai smatché. Mais c'est pareil. Et en plus, elle m'a mordu deux fois. Tu peux pas le laisser tranquille, ce pauvre garçon. Tu vois pas dans quel état il est déjà. Mais mets-toi de tes affaires. Je fréquente qui je veux et comme je veux. Bon, je ne crois pas une seule seconde à ton manège. Eh bien, tu as tort. Charles et moi, nous nous entendons très bien. Et nous avons plein de choses en commun. Vous êtes ridicule, tu disais toi-même ce matin que c'était un grand béné. Comment? Eh bien oui, c'est un grand béné. Un fan de race et un dégénéré. Oh. Mais ça vaut toujours mieux qu'un lâche. Et dès ce soir, il sera mon amant. Je vous demande pardon. On va se faire une nuit d'amour, comme jamais. Comme qui? C'est un vrai bien dur. Pas sans dégonfler comme toi. On n'a peur de rien. Non, j'ai pas peur. Mais faites quand même attention avec votre... On sent l'homme derrière la raquette. Oh. Laisse-moi tranquille. Tu me rends complètement folle. Charmant.
élégant, mince, après sa cure. Qui sait, peut-être vous a-t-il déjà remarqué. Le grand amour, je n'y crois plus. Le dernier s'est engagé dans la Légion une semaine après notre rencontre. C'est moi. On lui a fait peur. Non, ils se sont mariés. Alors c'est fini, mouchez-vous. Oui, oui, allez-y, mouchez-vous, puis nous irons faire une petite balade dans le parc. Il faut cesser de ressasser sans cesse le passé, ça ne sert à rien. Tournez-vous vers l'avenir. Pardon? Ça voudrait bien que vous m'apportiez un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau, je viens tout de suite, ne bougez pas. Ne bougez pas. Impossible de trouver un seul verre. Ils trempent tous dans l'eau de Javel. C'est pas grave.
Ah, mais voilà, mais je vous préfère avec le sourire, mais ça va mieux. Oui, beaucoup mieux, c'est vous qui aviez raison. Il ne faut jamais désespérer. Je me suis tournée vers l'avenir et j'ai retrouvé l'amour. Est-ce vrai, mademoiselle Meunier? Moulin! Mademoiselle Moulin et moi qui vous croyais inconsolable. L'amour est un baume prodigieux qui fait des miracles. Ah, pour sûr, je peux vous assurer qu'avec votre capital et ma petite entreprise, on va faire sauter le monde. Quoi? Ah, sans vouloir me vanter, je connais quelques combinaisons qui vont faire décoller nos intérêts. Vous avez des problèmes d'argent? Vous avez fait un mauvais placement? Mais je ne vous parle pas d'argent, je vous parle de nous. Vous savez, je suis complètement ignorante en la matière. Non, si. Vous allez pas me dire que vous n'avez jamais boursicoté un peu à droite à gauche. Pas une seule fois. Je ne vous crois pas. Je vous le jure. Eh bien, nous allons réparer ça tout de suite. Je vais m'occuper personnellement de votre portefeuille et je vous confierai le mien, voulez-vous? Monsieur Gronsard, ne pensez plus à vos affaires, laissez-vous aller. Prenez du plaisir. Vous savez ce qu'on dit, malheureux en affaires, heureux en amour. Heure exquise qui nous grise lentement. Je crois qu'elle n'a pas compris, pourtant on peut pas être plus clair, je suis preneur. Preneur. Mais oh, mais oh, calme, mon Dieu. Et venez pas nous faire prendre. Dites, j'ai l'impression qu'elle vous déplaît pas, ma petite dame. Ma petite dame. Ah oui, mademoiselle Meunier. Moulin. Mademoiselle Moulin. Oui. Bah, disons que mon cœur s'est emballé aussi fort que pour la montée d'une action. Lorsque je la vois, j'ai l'être suave qui s'enflamme. Bon alors, allez-y, mon vieux, déclarez-vous. Moi, ça m'arrangerait. Mais ça y est, c'est fait. Mais j'ai comme l'impression de ne pas me faire comprendre. C'est comme si je parlais chinois à un aveugle. Et écoute-toi, la petite fille. Oui, oui, oui. Le meilleur moyen de dévoiler ses sentiments à une dame, ben, c'est de lui chanter. Mais oui, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Allons-y, musica. Une lettre ovale, une aile ni ronde ni carrée ni pointue. Une lettre ovale, le trou de... Non, c'est beaucoup trop tôt, ça. Une petite chanson d'amour, par exemple. Ah, j'achète. Je t'aime, qu'on m'aime, et brille, conduite, soumise. Je viens à toi dès que je vois tes yeux. Sanglots profonds et longs.
tendre violon. Mon cœur chante un casse-cœur, un casse-cou. Et deux, et trois, et quatre, on joue.
dans ma chambre hier soir. Je t'ai attendu toute la nuit. Ben, je suis venue, j'ai pas trouvé d'échelle. J'avais mis une corde lisse à ma fenêtre. Ah ben oui, mais enfin, une corde lisse, ta chambre se trouve tout de même sous les toits. Hein. Ce serait pas plus simple par la porte. Non, passe par la fenêtre. C'est plus romantique et puis c'est meilleur pour ton dos. Ce soir, pour t'aider, si tu veux, je mettrai une corde à nœud. D'accord? Je t'aime, ma colombe. Je voudrais tellement te serrer contre moi et... Continue. Ne t'inquiète pas. Allez, plus bas, la main. En fait, tu savais que ta mère t'avait inscrit au club de waterpolo? Hein? Oui, tu commences demain. Oh non, que le waterpolo! Déjà, je n'aime pas le cheval. En plus, dans une piscine. C'est plutôt une bonne nouvelle, on sera ensemble. Je fais partie de ton équipe. On peut dire que je suis gâtée entre ma mère et Juliette, vraiment. Qu'est-ce qu'elle te veut, la fille du patron? J'en sais rien, mais elle me lâche comme une sauvage. Écoute, c'est une très sauvage, regardez ma rendue. Oh, on lui fait des douceurs. Oh, mais je sais déjà que tu es beaucoup trop gentille. J'ai envie de tomber à pouliche. Non. Mon fils, je suis un homme. Je veux que tu sois ma femme. Oh, mon Dieu. Oh, oui. Mon peigne. Pourquoi la vie est si cruelle, ma peine? Courage, ma vie. L'amour est le plus fort. Oh, te souviens-tu de notre premier rendez-vous? Dans le champ d'à côté, il y avait un âne qu'on avait baptisé Marcel. Oui, depuis, dès que je vois un âne, je pense à toi. Moi, j'aime tellement. Pour combien de temps nous devons encore nous cacher? Mais comment est ta mère? Quand elle apprendra que tu fréquentes quelqu'un qui n'est pas de ton rang, elle va être furieuse. Elle a peur que j'attrape des maladies. J'irai lui parler. Je lui montrerai mes vaccins. Elle comprendra, c'est une femme. Non. Ah si, je t'assure, non. C'est une femme. Non, je veux dire non, c'est à moi de faire. Même si elle doit me déshériter, je m'en fous. Ce qui compte, c'est notre amour. Comment ça, te déshériter? Je suis capable de me répudier, de me jeter à la rue, peut-être. Mais qu'importe, le principal, c'est que nous soyons ensemble. Ah oui, mais non. Attention, hein, ça change tout. Ah si, je t'aimerais. Mais tu me manquerais beaucoup. Je cherche un millier d'êtres, un sujet qui voudrait bien moi, au moins pour un mois. Je cherche un millier d'êtres qui me dirait froidement, mon or est à toi. Je cherche un millier d'êtres pour avoir des trucs comme les stars, manger des saumons. Je cherche un millier d'êtres. Quand on a beaucoup de fric, c'est comme un débatté. Quand on est argenté et qu'on n'a plus rien à compter, je cherche un millionnaire qui chez moi pourrait sans retard placer ses dollars. Je cherche un millionnaire. Alors, tout va comme vous voulez, vous n'avez besoin de rien. Bon, merci. Il faut me le soigner, hein, ce grand garçon. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance d'accueillir un pensionnaire de marque. Hein. Et sportif avec ça. Bon, non, pas vraiment. Hein. Ah si? Tout à l'heure, je vous ai surpris en train de faire du catch avec ma fille. C'était du tennis. Oh, c'est la même chose. Prenez-en soin. Bien, monsieur le directeur. Allez. Oh, le petit personnel, ce n'est pas simple. Vous leur donnez ça, ils n'en veulent pas. Enfin, vous avez vu ma fille? Où ça? Non, je vous demande si vous l'avez vue. Ah non. Elle est mignonne. Un vrai petit ange. Et alors, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais elle ne parle plus. Monsieur Charles par-ci, monsieur Charles par-là, il n'y a pas à dire, elle est mordue. Ah ben non, c'est elle qui m'a mordue. Oh, déjà, oui. Oh, gros vénard. Enfin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis à votre entière disposition. Ah ben justement, je n'ai pas d'eau dans ma chambre. Oui, mais là, c'est pas encore la saison, hein. Est-ce que vous parlez 30 secondes? Mais vous voyez bien que je suis occupé, enfin. Allez, finis-moi le temps, imbécile. Oh.
voyez, vous ne pouvez pas m'écouter. C'est normal, mon vieux. Vous êtes là hésitant, timide. Non, il faut être beaucoup plus sûr de soi. On a l'impression que vous avez peur. Oh, mais c'est ça, j'ai peur. Il a peur. Oh, mais laissez, ça n'intéresse pas monsieur. En plus, c'est pas normal. Mais si, mais si. Imaginez-vous que ce jeune Adonis veut faire sa demande en mariage. Mais bon, papa lui fait peur. Qu'en pensez-vous? La peur vient souvent de la méconnaissance de l'autre. Le mieux serait de répéter pour ne pas perdre ses moyens. La peur vient souvent de la méconnaissance de l'autre. Le mieux serait de répéter pour ne pas perdre ses moyens. Ah, répéter. La peur vient souvent de la méconnaissance de l'autre. Merci, on a compris. Mais monsieur a raison. Envisagez toutes les réponses possibles de votre interlocuteur et anticipez ses réactions. Tenez, je suis votre directeur et vous venez me faire votre demande. Vous voulez jouer la jeune promise? Non, merci. Dommage. Bon, allez-y. Monsieur le directeur, je peux vous parler deux minutes? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voyez pas que je suis occupé? Foutez-moi le camp, imbécile! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ne partez pas, mon gars! C'est à ce moment-là qu'il faut un suspect! Comment voulez-vous traiter une affaire si vous ne faites même pas une offre? Je dis, comment voulez-vous traiter... Bon, c'est pas grave, comprenons. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais épouser la fille du directeur. Ah ben oui! Monsieur le directeur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'honneur de vous demander. De quoi? Oui, je vous demande gentiment. Quoi ça? Si au bout du bras, la main de. De qui ça? Oh, ça va, je vous le dis. La main de votre fille générale. On ne comprend rien du tout. Mais oui, mais c'est pas du tout fort, on comprend le supérieur. Faites-moi votre cœur supérieur. Non, mais rien d'autre. Ah ouais, non. On fera avec. Ensuite, vous avancez doucement vers lui en le fixant droit dans les yeux. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Ouais. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de sa fille. Quoi? Vous plaisantez, vous, un tout petit employé de rien du tout, un minable? Vous osez porter votre dévolu sur ma fille? Jamais, vous entendez, jamais, vous êtes viré. Quoi? Je n'y mets pas la saison. Comment ne pas y arriver, là? Bon, le mieux serait que je tape le terrain pour connaître la tendance du marché. Oh, qu'est-ce que c'est pour moi? Prenez garde, le directeur. Ça pas combien. Ne bougez pas et laissez-moi faire. Ah, le combien. Alors, mon vieux, mon vous, ça avance votre affaire? Notre affaire. Ah oui, vous voulez parler de... Il y a du monde. Je veux une tuyauterie impeccable. Éliminez-moi toutes les impuretés. Mais je suis là pour ça. Et puis il faut que ça coule un grand eau. Utilisez un goupillon, si nécessaire. Un goupillon? Enfin, la méthode, l'important, c'est le résultat. Mais remuez-vous un peu. Auparavant, j'aurais une requête à vous soumettre. C'est au sujet de votre fille Juliette. J'ai un acquéreur. Un acquéreur? Un prétendant, si vous préférez. Qu'en dites-vous? N'est-ce pas un beau parti pour votre fille? Ah, mais ça, je pense bien. J'attends que ça depuis le début. Quel début? Ben, le début de la pièce. Seulement, le pauvre garçon est intimidé, il n'ose pas venir vous faire sa demande. C'est ridicule. Mais vous lui faites peur, c'est pour ça qu'il m'a envoyé en éclaireur, pour faciliter sa démarche. Je vais le rassurer et dissiper tout malentendu. Oh, merci pour lui. Et allez-y. Foncez, c'est dans la poche. Alors, tout va comme vous voulez, vous n'avez besoin de rien. Je vous remercie. Monsieur le directeur, je ne peux pas deux minutes. Plus tard, plus tard. Hein? Si par hasard, vous aviez quelque chose à me demander, hein? N'hésitez pas, hein? Je suis à votre entière disposition. Excusez-moi, vous interrompre, monsieur le directeur.
Oui, mais de quoi vous parlez, quoi? Qu'est-ce que c'est? Je pense que vous êtes déjà un peu au courant de la situation, mais je ne sais pas comment trop vous expliquer la chose. On m'en a parlé, en effet. Écoutez, je crois que le mieux, ce serait de le faire vous-même. Ouais, mais c'est ça. Mais n'ose pas. Enfin, mais c'est ridicule. Vous la prenez, vous la retournez, vous la remuez un peu dans tous les sens et hop, le sort est joué. Non, pardon. Et plus vous serez violent et brutal, et mieux ce sera. Bon, et moi, je ne vais pas seulement plaire à votre fille. Ma fille. C'est ma fille. Je vous parle des séances de massage pour la baronne. On a pris ma soeur, vous avez dit que c'était vous le masseur. Moi? Vous, je ne connais rien. Aucune importance, vous apprendrez sur le tas. Sur la baronne. Vous n'avez rien d'autre à me dire? Non, non, ça va. Vous pouvez disposer. Vous êtes sûr? Mais enfin, mais foutez pas le camp, imbécile! Alors? Hein? On n'a rien à me demander? Non? On est sûr? On n'a rien à dire au gentil directeur? Ben non! Tout gentil, le directeur tout doux, tout mignon, hein? Allez, que diable! Un peu de courage, je ne suis quand même pas si terrible que ça, hein? Et d'ailleurs, je suis déjà un peu au courant. Au courant ou au courant de quoi? Mais pour vous et la petite. C'est elle qui vous en a parlé? Oui, entre autres. Oh, mais je viens pourtant bien du sauteur! Si maman la voit, elle va être furieuse! Mais au contraire, votre mère est ravie! Quoi? Maman est au courant! Maman est au courant! C'est moi-même qui lui en ai parlé tout à l'heure! Oui, elle vous a dit qu'elle était ravie! Oui, enfin, je ne cache pas qu'elle était un peu réticente au début, mais j'ai parlé en votre faveur! Vrai? Vrai! Oh, merci, merci mille fois! Allez! Dans mes bras, mon garçon! Oh! Aïe! Évidemment, nous fêterons la semaine prochaine vos fiançailles et très vite nous fixerons le grand jour de vos épousailles. Évidemment, de quoi je me mêle, à quelle toupée je vous remercie. Cette nouvelle me donne des ailes, me voilà soulagée, ravie. Car c'est ici que l'on cure de cette eau magique et pure les malices et les chagrins, les doux, les os, les foies, les reins, les petits bobos et les boudures. Oui, c'est ici que l'on cure à froufrou les bas. Racontez-moi, vous m'excitez. Il est parmi nous.
ici, c'est quelqu'un qui vous touche de près. Ça me touche de près? Mon fait, franchement. Ça m'étonnait aussi. Ils l'ont réformé. Il n'a rien dans la culotte. Il vous donne un indice. Il est juste au-dessus de vous. Je ne vois rien. Vous ne voulez pas dire que... Si. C'est vous le légionnaire du pont de l'Allemagne? Maman, je vous cherchais. Y a-t-il, mon petit Charles? Vous m'avez l'air d'humeur joyeuse. Oh ben, je le suis. Mère, je le suis. J'explose de joie. Faites attention et ne blessez personne. Je viens de rencontrer le directeur qui m'a fait part de votre consentement au sujet de mon amour. C'est donc vrai, ce petit qui vous aime. Oh oui, enfin... Je le crois. Non, vous, je sais que vous l'aimez. Moi, je vous parle d'elle. Oui, j'en suis sûre. Elle me l'a dit, mais la jurée. Si tel est votre souhait, vous épouserez cette petite. Oh, merci, mère, merci. Je cours la rejoindre qui m'annonce la bonne nouvelle. Oh, votre fils me semble très amoureux. Oui, il va se fiancer avec la fille du directeur. Oh, c'est un bon parti. Elle est adorable, cette petite, et sérieuse. Je ne sais pas ce qu'elle lui trouve à ce grand Bénin. Ce sera à sa place qu'il le voit ailleurs. Patistin, oh, Patistin. Papa m'a tout raconté. Oui, bah oui, je crois. Ta demande, son consentement. Oh, je t'aime, mon canard. Viens faire des piou-piou à ta Juliette. Tu l'as bien mérité. C'est quelque chose. Où m'a-t-il, réveillez-vous. Oh, que s'est-il passé? Rien, c'est fini, ils sont partis. Oh, oh, attendez, ce sont les légionnaires qui mentent. Je vous prêterai mon chinois, si vous voulez. Je le savais, je le savais, oh, cher ami. Je suis heureux et fier de vous annoncer les fiançailles de votre fils avec ma petite Juliette. Mais oui, on va le retrouver, votre Kiki. Baronne, quel bonheur. Si vous voulez, on peut chanter. Avez-vous fait un bon voyage? Attendez, juste une petite précision. Votre fille, c'est bien cette ravissante personne. Un peu brutale, mais néanmoins charmante, qui se nomme Juliette. Oui, oui, pourquoi? Ben pour rien, mais elle est simplement partie faire des piou-piou avec ce cher Baptiste. Oh! Comment? Baptiste, le légionnaire du pont de la main, qui se trouve être l'amant de madame. Oui. Quoi? Mais une minute, on ne s'entend plus. Mais c'est pas possible, il y a un malentendu. Toujours pas brouette à l'horizon. Hein? Quoi? Comment? Mais non, enfin, mais c'est pas le moment. Pardon, Dieu, ne partez pas, on n'a pas chanté. Mademoiselle Meunier. Moulin. Mademoiselle Moulin, laissez-moi vous chanter mon amour. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, un gronsard. Gronard. Gronsard, mais qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle vient d'apprendre que l'amant du légionnaire, le nom fait Charles, sortir de piou-piou. Juliette m'a fait. Mathilde, écoutez-moi. Mon cœur saigne de ne pouvoir battre à vos côtés. J'aimerais tant vous embrasser partout, vous prendre comme un fou. Mathilde, la brouette chinoise. Mais c'est mon chinois, dites. L'être et puis vous sortez. Le casard de ma dame, c'est vous. Mais oui, c'est moi. Moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Yuji Chan Chan. Oui, mais moi, c'est elle, Mathilde. Laissez-moi vous chanter tout ce que mon cœur voudrait vous dire. Dis le mot, je t'ai donné mon
voir que je fais trois jeunes choses. Papa! Oser toucher à ma fille? Crapule! Mais papa, tu étais d'accord! Avec ce beau rien? Jamais! Tu m'entends? Jamais! Pourquoi pas avec le plombier, coquille? Le plombier, mais quel plombier? Comment ça, quel plombier? Hein? Mais vous, mon vieux! Ah oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, c'est le plombier. Moi, mais je ne suis pas plombier! Comment pas plombier? Mais non, je suis Ferdinand Gronsard, agent financier! Ah! Vous êtes le plombier! Auriez-vous des problèmes d'eau? Non, non, pas du tout, pas du tout! Nous n'avons plus nos tarifs! Alors, c'en est trop! D'ailleurs, je vous chasse, vous ne faites plus partie de la maison. Dehors! Non, papa! J'ai dit dehors! On n'a pas chanté! Un point, c'est tout. Ah, mais attendez! Si j'ai renvoyé le plus mon patron, il commence à comprendre. Ah, hein. Oh, non, dans ce cas, ça change tout! Cher monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la fin, la mal, quoi, de votre fille Juliette! Moi! C'est l'image du patron qui me bloquait. Non, mais vraiment, mon homme. Non, mais regardez-les. Acceptez, mon ami, acceptez. Regardez comme ils s'aiment. Et comme ils sont souples. Mais c'est impossible. Je me suis déjà engagé auprès de votre fils. Ne vous inquiétez pas, il s'en remettra. D'ailleurs, où est-il passé, mon grand garçon? Charles? Mais, j'ai l'honneur de vous présenter votre future belle-fille, Madeleine Guimond. Mon Dieu! Quelle horreur! Elle est charmante, cette petite. Mais je vous préviens, il n'a rien dans la culotte. Oh, mademoiselle Meunier! C'est Moulin! Mademoiselle Moulin! C'est ça! Les discours ne sont pas mon fort, pas plus que les sérénades. C'est pourquoi, pour vous prouver mon amour, j'ai décidé d'agir. Et c'est au péril de ma vie que j'ai retrouvé votre Kiki. Oh! Que ma fille épouse ce dégénéré. Oh papa, je t'en supplie. De toute façon, votre fille ne peut pas épouser Charles. Et pourquoi donc? Parce que Charles est son frère. C'est mon kiki. Enfin, son demi-frère. Tu ne te souviens pas de moi, Edmond? Nous étions jeunes, beaux et fous. Nous mordions la vie à pleine main. À l'époque, on m'appelait Foufou. Et Foufou, Foufou. J'accouchais de jumeaux, deux garçons, Charles qui n'a rien dans la culotte, et l'autre que j'ai perdu dans un grand magasin une veille de Noël. Attendez, ce garçon que vous avez perdu. C'est mon kiki ? Ne portait-il pas autour du cou une médaille en or avec une nez ? L'argent ? Mon fils ! Maman ! Mais alors, si tu es mon frère, notre amour est impossible. Moi, je perds un amour pour un amour de père. Non, car je dois bien te l'avouer maintenant, tu n'es pas ma fille. Oh. Elle n'a pas de moustache. Ma mère t'a élu avant notre rencontre. En réalité, ton père est un gros marin qui partit en mer. Il ne revient jamais. Oh. Attendez. Ce marin, qui n'est pas si gros que ça, ne portait-il pas autour du cou une encre avec une date de naissance gravée dessus? Non, ce n'est pas ça. Oh.
Attendez. Et maintenant. Papa. Oh. Quand tu es quel âge? Oh, 37 ans, et toi? 34! Non, non. Attendez. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Vous êtes une femme! La source qui alimente notre station est complètement à sec. Nous n'avons plus une seule goutte d'eau. Oh, c'est pas grave, maman. Hein, papa. Mais... Nous boirons du vin. Mais oui, les gens ne viennent pas ici pour votre eau, mais pour l'ambiance. Abondez dans leur sens et faites des animations. Organisez des jeux, de préférence idiots, pour donner l'impression qu'on s'amuse comme des fous. Faites-leur faire du sport. Bah, ou plutôt faites-leur croire qu'ils font du sport. Et le soir, donnez un spectacle. Ah oui, je pourrais chanter. Non. Comment pourrais chanter? Il suffirait d'inscrire les paroles des chansons sur des cartons. C'est ridicule, ça ne marchera jamais. On verra bien. En attendant, musica maestro. Oh, mon chambre, cette lumière, ce n'est pas une sinécure. Je suis toute cette poussière de la cave à la toiture. Ma saison est ma débute, c'est du haut de la station. Pour mettre ses petites pensions, assises dans quelques minutes. Mais laissez-moi quand même 2 minutes pour remercier tous ceux qui travaillent à l'ombre des projecteurs. Je voudrais citer Anne-Marie Ponsard, notre souffleuse.
professeur au son et lumière, mais cette année, on lui a laissé que la lumière, Yvon Ponsard. Jacqueline, qui a accueilli vos coups de téléphone et qui vous a accueilli à l'entrée, et Josiane et l'équipe du bar, et on peut rajouter les scouts pour le travail aux tables. Alors regardez-moi ce décor, c'est encore un petit miracle que nous ont réalisé nos décorateurs. Je voudrais citer mon petit frère Étienne pour la scénographie, Claude Gillard pour le gros œuvre, Dany pour les tapisseries et diverses décorations, et la famille Hubert pour l'immense fresque murale. On peut les applaudir. Alors ici, je vous demande un petit service, c'est de les applaudir deux fois parce que je les ai oubliés hier. C'est impardonnable. Mais je voudrais vraiment remercier de tout cœur nos costumières Isabelle et Janine et nos maquilleurs et coiffeurs Rémi et son apprenti Isabelle. Encore ce mardi, ce samedi et ce dimanche, donc faites le savoir autour de vous, il nous reste encore quelques places, et pour vous, ben, nous aurons le plaisir de vous réinviter déjà au mois de mars. Ce sera un peu plus court cette année vu les événements, mais ce sera un magnifique petit chef-d'œuvre de Marco. Oui, on me dit aussi de... Je ne sais pas si elle est là, mais sinon... Mais on peut déjà applaudir notre cuistot du jour, et son équipe aussi, mais c'est Christine Spagnors, comme d'habitude. Nous avons fait un bon voyage, nous avons fait un bon voyage. Nous arrivons à tous les pas. Nous arrivons à tous les pas. Plus fort du site à chaque village. Plus fort du site à chaque village. Des lapins prolifiques, des chapons, des garçons. Nous avons rencontré des oiseaux distingués, des poules indignes et des cœurs de poisson. Nous avons rencontré monsieur le maire et curé, la mercière des centrales, le soldat des assassins. Nous avons fait des découvertes, nous avons fait des découvertes. On refuse les bons dans les pieds. Rose, c'est en fait un papillon réuni. Nous avons fait un bon voyage. C'est le premier jour du printemps. C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent en ménage. Les oiseaux se mettent en ménage. Tous les trous traînent en fait.